La Guinée est considérée comme le château d'eau de l'Afrique occidentale qui assure le maintien de l'écosystème de la sous-région et une grande partie du développement économique. Le dérèglement climatique pourrait réduire de plus de 50% le débit de ses cours d'eau à l'horizon 2100. Les scénarios prévoient un net décalage des saisons, une élévation de température moyenne entre 4 et 5 degrés dans le pays d'ici la fin du siècle. Également, une réduction d'environ 40% des précipitations. Les côtes guinéennes pourraient être submergées par la montée des océans, entraînant l'intrusion saline, la rareté de l'eau douce, la disparition ou la migration de certaines espèces animales et la perte des terres agricoles fertiles. Plus de 80% de la population guinéenne vit dans des zones rurales, avec l'agriculture, la chasse et la pêche comme moyen de subsistance. La baisse des rendements agricoles et des ressources halieutiques pourrait accroître l'insécurité alimentaire, surtout en période de soudure. Cette compétition autour des ressources naturelles pourrait exacerber des conflits sociaux avec des communautés pastorales venant du Sahel voisin qui trouveraient refuge en Guinée.